Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une morning routine spéciale vacances, un petit peu sur le thème cocooning. Juste avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année et j'espère que vous avez passé un bon nouvel an. Et donc j'espère vraiment également que ma vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Je me réveille régulièrement dans les alentours de 10h30, 11h, oui je sais, c'est assez tard. Et je viens directement prendre mon téléphone où je vais un petit peu checker les réseaux sociaux, regarder des films sur Netflix. Vraiment, je profite de pouvoir rester dans mon lit pendant les vacances. Quand la force est avec moi et que je décide enfin de me lever, je viens prendre mes lunettes et je vais direct aller prendre mon petit déj. Quand je descends, la plupart du temps, mon chien est dans la cuisine, donc j'en profite pour lui faire quelques caresses, quelques bisous, et je vais aller faire mon petit déj. Pendant les vacances, vu que je me lève assez tard, j'évite de manger trop lourd au petit déjeuner, parce que sinon je mange plus rien le midi. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un yaourt et un brownie que j'avais fait moi-même, et donc bien évidemment, j'ai pris du jus d'orange. Là, j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner dans mon salon devant la télé parce que j'étais seule, il n'y avait ni mes parents ni mon frère. Donc sinon, je déjeune dans la cuisine avec eux. Bien évidemment, je viens ensuite me brosser les dents, donc je vous ai pas montré quand je me brosse les dents car je trouvais pas ça très intéressant. Et par la suite, je viens mettre un petit peu de musique, donc là en l'occurrence j'ai mis une musique un peu au hasard, mais c'est vrai que je l'aime bien en ce moment. Je viens ensuite me nettoyer le visage, donc j'utilise mon eau micellaire de chez Bioderma, donc je l'aime vraiment beaucoup, c'est mon eau micellaire préféré. Et je vais par la suite venir me faire un masque, donc c'est un masque anti-imperfection, donc à l'argile pure. Et j'ai par ailleurs humidifié un pinceau pour pouvoir appliquer le masque plus facilement. Faites pas attention à ma tête hein, parce que là avec mon masque bleu je ressemble vraiment à rien du tout. En attendant j'ai décidé de faire un autre masque. Donc cette fois-ci c'est pour les cheveux. Donc faites pas attention à ma tête s'il vous plaît. Hein. Et donc j'ai mis de l'eau dans une sorte de pchit-pchit, j'appelle ça comme ça. Enfin dans un bocal en fait qui de base était un produit pour les cheveux. Mais quand il était vide du coup j'ai mis de l'eau comme ça sert à un pchit-pchit quoi. Donc je commence par humidifier mes cheveux et je vais par la suite mettre mon masque. Donc je vais pas vous dire le nom de la marque, elle est imprononçable pour moi, mais c'est, je pense que vous avez vu, mais c'est Schwarzkopf. Bref, j'arrive vraiment pas à le dire. Donc je vais remettre le masque et ensuite je crois qu'il faut laisser poser une dizaine ou même 20 minutes, ça serait pas mal. Donc voilà. J'ai décidé de prendre une serviette pour pas tacher mon peignoir, donc je mets mes cheveux dessus et je vais les laisser entre guillemets tranquilles, comme ça ils vont bien pouvoir s'imprégner du produit. Et pareil, le temps que mes deux masques finissent, j'ai décidé de refaire mes c'était mes deux pouces qui étaient partis n'importe comment parce que je les avais pas bien laissés sécher. Donc j'ai eu la flemme de tout refaire mais au moins les pouces. Donc là quand je vous ai montré les produits, je les avais déjà refaits.
Je suis partie un petit peu sur mon tel, donc là en l'occurrence j'étais sur YouTube, où je regardais un petit peu les nouvelles vidéos qui venaient de sortir et je répondais à vos commentaires. Pour finaliser le tout, je suis allée allumer mes guirlandes pour rester dans le thème cocooning. Et donc comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même une bonne quantité. Et je suis par la suite allée rincer mon masque et je suis allée manger. Donc voilà tout pour ma vidéo morning routine. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.